et bienvenue sur Coccinelle Nelscrap. Le projet que je vous propose de réaliser cette semaine est cette carte-ci avec son petit bonhomme tambour qui appartient au set de tampons et de découpe Musical Seasons avec mon anglais super bien prononcé. Et donc je vous propose de la réaliser non pas en noir et blanc mais en blanc et noir. Pour cela, nous aurons besoin d'une bande de papier cartonné murmure blanc de 21 cm de long par 14,85 cm de large, plié en son milieu. C'est une moitié de format A4. Nous aurons également besoin d'un rectangle de papier noir nu de 10 cm de large par 14,25 cm de long, d'un rectangle de papier à motif de la série design spécialité musique joyeuse. Je vous les montre rapidement. On a 4 feuilles de chacun des motifs. Évidemment, il m'en manque puisque j'en ai utilisé. Je ne sais plus si je vous ai donné les dimensions. 9,5 cm de large par 13,85 de long. Nous aurons besoin d'un rectangle de papier cartonné noir nu de 8 cm de large par 12,25 de long, d'un rectangle de papier cartonné murmure blanc de 7,5 cm de large par 11,85 de long, d'une bande de papier cartonné noir nu de 1,4 cm de large et la longueur suffisamment pour pouvoir la passer dans la perforatrice et la maintenir. Vous allez comprendre, c'est une petite astuce pour faire une étiquette toute fine et longue avec les bords arrondis comme celle-ci, voilà. Nous aurons besoin de chutes de papier cartonné noir nu pour notre bonhomme tambour et les notes de musique. Évidemment, si vous la faites comme celle-ci, vous inversez. Ce sera du papier noir nu pour le grand morceau et vous inversez à chaque fois. Alors, pour commencer, je vais plier ma base de carte en deux. Et je vais en profiter pour marquer mon sentiment à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas de quoi que ce soit de collé. Ainsi, si je me loupe, je peux la changer. J'ai choisi de mettre comme motif à l'intérieur Eau douce nuit, tiré du set de tampons Joyeux Motif, qui est le set de tampons Hôtesse, offert depuis le 1er septembre jusqu'au 31 octobre pour toute commande de 350 euros. C'est-à-dire que si vous accueillez un atelier chez vous sur cette période du 1er septembre au 31 octobre et que les amis que vous avez durant l'atelier passent commande et que la commande atteint au total 350 euros, l'hôtesse aura, en plus des primes créatives qui lui sont attribuées, ce set de tampons Joyeux Motif offert en plus. C'est vraiment cadeau. C'est un set de tampons en deux étapes. Là, nous allons tamponner en deux étapes Eau douce nuit et puis ensuite nuit. Nous avons également Sereine ou Se Serre. Je ne fais pas bien la différence personnellement. Joyeux Noël, de réjouissance, les bougies qui se font en quatre étapes. Cette petite branche de pain, je vais utiliser donc Eau douce nuit que je vais tamponner. Je vais commencer par passer mon coussin antistatique. Je place Eau douce nuit et pour être sûre qu'il soit bien droit, je vais l'aligner contre ma règle en veillant à ce que le bord de la règle bute bien contre le bord de ma presse à tampon. Je l'ancre à l'inverse à marque. Et je vais verser ma poudre argent. Avant de le passer,
pour tamponner les nuits. Je vais déjà le mettre sous presse. Pendant ce temps, je vais tamponner sur mon plus petit rectangle, celui de 7,5 par 11,85, à l'aide de mon tampon Sweet Music et de ma presse à tampons. Je vais utiliser un papier brouillon, on va dire. Je vais placer mon tampon. Alors, vous remarquerez, il n'est pas tout à fait droit. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser ce papier brouillon. Je l'encre une première fois. Et je vais positionner mon rectangle exactement là où je souhaite qu'il soit tamponné. Je le fixe avec un petit morceau de ruban adhésif. Ainsi, je vais ancrer. Et voilà, j'ai ancré mon papier. Sans rien toucher, je mets de côté ma presse. Je vais maintenant découper mon petit garçon tambour. Voilà, à peu près, je vais aller le découper sous ma Big Shot. Je reviens. Voilà, il est découpé. Je l'ai fixé sur mon papier par l'intérieur. Puisque de toute façon, l'intérieur, je ne le conserve pas. Et au pire, si jamais ça abîmait le tamponnage, eh bien, c'est pas bien grave. Maintenant que ma découpe est faite, je vais placer à l'intérieur la découpe que j'ai faite en noir. Et je vais tamponner sur cette découpe-là. Et pour être sûre d'être au bon endroit, je reprends ma presse à tampon. Je repositionne mon papier exactement là où il était. Je place mon tambour noir. Je vais mettre un petit point de colle. Il va adhérer sur mon brouillon. Je vais nettoyer mon tampon. Et cette fois, je vais ancrer avec de la Versamark. Et je vais verser ma poudre blanche. Je décolle délicatement et ainsi tout va s'ajuster parfaitement. C'est vraiment dans la continuité de la partition. Et ainsi, on a notre tambour qui passe derrière la partition. Je récupère ma base de cartes que j'ai mis sous presse. Et avec ma presse à tampon, mon tampon nuit, je vais le positionner.
Regardez comme c'est très joli. On a le tour qui est en embossé argenté et le nuit noir. C'est très très beau. Je vais laisser sécher tranquillement mon encre et je vais coller tout ça sur ma base de carte. Alors on a le papier murmure blanc qui est quand même plus blanc que ce papier design. Donc je pense qu'il serait préférable, si on veut obtenir les deux mêmes blancs, d'utiliser le papier blanc miroitant qui est moins blanc que le murmure blanc et qui correspondra mieux à cette couleur là. Je viens coller le tout sur ma base de carte. Je colle mes clés de sol. Pour ma petite étiquette, je vais prendre sur mon set de tampons joyeux motif le joyeux Noël. À l'aide de ma presse à tampons, je vais tamponner. Et la petite astuce pour mon étiquette est de prendre la perforatrice étiquette du quotidien et je vais m'organiser pour que les angles tombent exactement sur les bords de ma bande. Si je veux la rétrécir un peu, ça sera le cas, donc je vais rapprocher par ici. J'ai une jolie étiquette avec les bords arrondis. Et comme je veux qu'elle soit plus courte, je vais la recouper de ce côté. Comme ça, on parvient à la faire de la longueur que l'on souhaite. Et je vais la positionner par ici. Et comme d'habitude, je la double puisque je vais la positionner avec de la mousse 3D. Je place de la mousse 3D. Ici, j'avais mis des petits bijoux noirs. Je vais en mettre des translucides. Et voilà, ma carte petit tambour aux douces nuits. J'adore. Alors là, franchement, j'adore. Je suis assez fière de ma trouvaille. Vraiment, je trouve ce tampon magnifique, vraiment magnifique. Et alors, tamponner de cette façon-là, c'est superbe, superbe. J'espère que cette carte vous plaira et que vous aurez à votre tour envie de la réaliser. Je vous souhaite une bonne semaine. Je pense que je vais reprendre le rythme. J'étais un petit peu perturbée la semaine dernière, raison pour laquelle je ne vous ai pas mis de vidéo. Mais je pense que ça devrait fonctionner maintenant jusqu'à la fin de l'année. Je croise les doigts. Je vous ferai peut-être une petite surprise d'ici la fin de la semaine. En attendant, je vous souhaite
souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, scrapez bien et à bientôt. Au revoir.